Konnichiwa, minasan, ici Jim Bubblegum, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va très bien. Je tourne direct à la suite de la précédente ouverture de ce petit display. Du coup, je suis d'extrêmement bonne humeur et ça s'entend probablement. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu la précédente ouverture, je vous invite à aller voir maintenant. Parce que voilà, si vous voulez savoir pourquoi je suis de bonne humeur, n'hésitez pas à aller voir. Tous les liens seront dans la description ou en annotation ici, soit à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, voilà. Aujourd'hui, on va s'ouvrir les 5 derniers boosters de cette display. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. The Shining Collection SN3 Plus, pour ceux qui ne savent pas. Et on va pas tarder, hein. Voilà, je sais pas si j'avais montré le dos dans la première vidéo. Mais en tout cas, voici le dos. Donc, il y a 7 ans de cartes, plus secrète, hein. Je sais pas si c'est une secrète ou deux, mais une minimum, parce qu'il y a le Mewtwo GX secret full art qui existe. Voilà, The Rainbow Mewtwo, que nous visons d'ailleurs. J'aimerais encore avoir la secrète, les deux secrètes. Dans la première vidéo, j'avais mis un petit montage par ici avec les 4 cartes Mewtwo possibles à piocher, et je ne sais pas si la quatrième qu'il y avait, c'est aussi une secrète. En tout cas, je sais qu'il y a une GX Full Art, une GX Full Art Secret Rainbow. Puis on a une quatrième, mais je crois que c'est une secrète. Une GX secrète de Mewtwo, je suis pas sûre. Mais en tout cas, on commence cette ouverture avec lui. Je sais plus comment il s'appelle. Fait l'Inferno, c'est l'évolution finale, je suis pas sûre. En tout cas, moi j'aime pas les chats. Petit Negapi, trop mignon. Un Spiritomb, voilà, j'avais pas mentionné son nom dans la première ouverture où j'avais pioché un Spiritomb, mais en tout cas, maintenant je sais, Spiritomb, fais de l'Inferno. Et un Tili. Et on termine avec un Palkia en holographique. On n'avait pas déjà chopé un Palkia? Je sais pas, mais en tout cas, petit Palkia qui est également sur la boîte. Je crois qu'on avait déjà chopé un Palkia. Je suis pas sûre, je mettrai en sous-titre si je l'avais déjà eu ou pas. Ou alors non, je mettrai pas de sous-titre, n'hésitez pas à aller voir les précédentes ouvertures pour confirmer ma théorie ou pas. En tout cas, moi je le verrai direct après cette vidéo. En tout cas, le petit paquet qui a la classe. Voilà, on continue avec le second booster. Hop. Un pour mettre la potentielle rare, ultra rare enfin, mais il n'y a que des holos ou des shiny. En tout cas, un petit Gigohan, un petit Musteboué, un petit Herbizarre, il est trop mignon. Petit Musteflotte et une Hyper Ball, j'avais pas encore celle-là. Hyper Ball, ok. On termine avec une holo. Oh waouh, Yveltal holo. Ça nous check toutes les. Toutes les cartes qu'on a, non pas encore toutes, on n'a pas encore eu le Shining Celebi, mais sinon toutes les autres cartes, toutes les autres illustrations qu'il y avait sur la boîte, on les a eues. Oh, elle est trop belle. J'aime beaucoup Yveltal, je trouve qu'il a la classe. Quand XY est sorti, j'étais là, Yveltal, il est moche, moi je préfère Xerneas, le type fée, le type dominant. Mais non, en fait ça va, hein, Yveltal il est plutôt classe également. On continue. C'est pas fini, il nous reste 3 boosters. Ouais, je speed un peu parce qu'on a fait. On commence à avoir fait un petit peu le tour des cartes et je vais pas m'extasier sur chaque carte qu'on revoit et que j'adore. Quoique c'est un petit peu ce que je fais. Mais ok. Ah là, oula. Un petit Zoria, Crocodile, Lumonde, Florizarre. Un double énergie incolore. Et on termine avec. C'est encore un Raikou? Allez, dis. Ça aussi, on l'a déjà eu, un Raikou. Dans la première ouverture, d'ailleurs. Ok, on commence à avoir fait le tour, on dirait. mais on a encore 2 boosters. Et ne vous inquiétez pas, j'ai 2 autres displays qui sont sur le chemin vers ma petite Bruxelles depuis le Japon. Voilà. Hop, c'est parti, petit Balignon. Chakripant, Électrode, Pyrex, une dresseuse, éleveuse Pokémon, et on termine avec. Oh, encore ! Oh, c'est la secrète !
C'est la secrète. Regardez. 82 sur 72. Il y a 10 secrètes. Quoi? Oui. Oui, oui, oui. Oh là là. Oh, je suis contente. Je la voulais trop. En plus, je parlais trop de celle-là dans la précédente ouverture quand je disais qu'il y avait 4 ultra rares de Mewtwo qu'on pouvait choper. Et ben, il y avait celle-là, entre autres. Et c'est celle que je voulais trop. Il est là dans son tube dans le laboratoire. Oh là là, elle est trop classe. Ouais, bon, mais il me reste que des protège-cartes comme ça hein, pour le moment. Sinon, j'ai les protège-cartes Mario. Luigi. Mais j'ai la flemme d'ouvrir les paquets et ceux-là, ils sont déjà en vrac comme ça. Donc, du coup, on a petit Mewtwo GX secret. Il a la classe. Voilà. Je sais pas si l'autre GX était une secrète. Je pense pas. Hein. Non, c'est pas une secrète. Celle-ci, c'est la 40 en fait. Là. Allez. Allez. Ah, la 40. Mais celle-là est trop belle. Oh là là, je suis comblée. Voilà, ça nous fait 3 GX dans cette display pour le moment. Et 2 Shining. Voilà, il nous reste un booster. Croisons les doigts pour avoir encore une Shining, parce que j'aimerais bien avoir le Shining Celebi pour terminer les illustrations qu'on voit sur la boîte. Voilà, c'est juste un kiff d'avoir toutes les cartes avec les illustrations qu'on voit sur la display. Sinon, un petit Mew Shining, ce serait cool aussi. Alors, petit Electrode, Pyrony, Crocodile, Kaiminus, Léopardus, Super Bowl, et on termine avec... Ou pas encore. On aura eu que des holographiques, on a déjà eu hein. Genre ces trois là, on les a déjà eu hein. Il y a juste Livaltel qu'on n'avait pas. Mais on a eu Mewtwo GX secrète. Du coup, j'en veux pas trop à ce display. Mais waouh. Waouh waouh waouh. Ces trois là, on va les mettre là comme ça. Et voilà un petit peu tout ce qu'on a pu piocher dans cette partie, voilà. Je suis 3 minutes en avance. Ouais, j'ai trop contente parce que je tourne toujours plus que 10 minutes. Mais là, 7 minutes 30, on va s'arrêter là. En tout cas, cette display, c'était génial. C'était un truc de malade. J'ai eu 2 sur les 4 cartes que je voulais du Mewtwo GX, voilà. En tout cas, deux displays sont en chemin. Donc, on a encore d'autres chances de choper plus de Mewtwo, dont la Mewtwo Full Art et la Mewtwo Rainbow. Voilà, je vais me renseigner parce que je vois qu'il y a 10 secrètes. 10 secrètes et les Shining ne sont pas considérées comme des secrètes. Donc je vais me renseigner un petit peu. Je sais pas s'il y a genre un Raichu Full Art Rainbow ou quoi. Mais en tout cas, j'irai voir sur Internet. Merci Internet, tu es mon ami. Voilà, en tout cas, si cette ouverture vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Ça ferait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, partager ou à vous abonner pour plus de Pokémon dans un futur proche. Je vous fais d'énormes bisous et merci de vous abonner, ça fait toujours plaisir, on est de plus en plus chaque jour sur ma chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.